19 pour Toulouse, 17 pour Tours. Et c'est David Konechny au service avec les encouragements du public du TVB. C'était puissant et c'est Zago qui a bien tenu la réception. On peut attaquer sur le côté droit avec Evan Patak. Allez, Tourangeau bien en place qui peuvent récupérer ce ballon. On va attaquer avec Manu Ragondé. Cette balle qui est sauvée, on s'est jeté. C'est Patak qui a mis le ventre au sol pour sauver cette balle. Ce ballon qui revient dans le camp Tourangeau et on peut attaquer une nouvelle fois avec David Konechny sur le côté droit. Oh, cette balle le long de la ligne de David Konechny. Magnifique, oh, il fait le tour du terrain derrière. Oh, il est arrivé lancé. Et Jean-François Mexica aussi s'y met. Il fait le tour lui aussi avec le doigt pointé en l'air. Oh, quel point. Limite, il fallait s'arrêter parce qu'il allait traverser le filet, David Konechny. Il a trouvé une ouverture dans la défense toulousaine pour mettre cette balle le long de la ligne. Et on le retrouve au service. Oh, il est en feu, David Konechny. Marcus Pop qui le monte sur les épaules. Il veut sa troisième, sa quatrième Coupe de France. Il la veut. Adrien, 19. C'est fou. Et cette folie, on la doit à un homme. Cet homme, c'est David Konechny. Oh là là, c'était déjà le chouchou des supporters du TVB, mais là, il faudrait lui construire une statue. Hein. Franchement, si le TVB s'impose ce soir... Il est inhumain, il est à ce qu'il est au niveau où il est depuis qu'il est arrivé en France. Et oh, Adrien Pérez derrière, au meilleur moment. Ah ouais, c'est terrible. Non, c'est génial. C'est génial pour les Toulousains. C'est terrible pour les Toulousains, parce que là, ils se regardent, ils cherchent, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a juste rien à faire. Alors on voit Rossard, le libéro qui met les mains sur les genoux, il s'interroge encore parce qu'il a vu ce ballon arriver, il a juste eu le temps de mettre le point, le ballon. C'est un coup de fusil honnêtement, franchement c'est une balle qui est pas très bien touchée, elle flotte un petit peu, donc voilà, il est dedans. Il y a de la musique là en attendant son service, et bien en rythme, il bouge la tête, c'est rare de le voir comme ça, il est dedans, il est bien. À mon avis, ça va être une bombe encore. Et 29 pour le TVB qui est repassé devant. Et c'est encore et une bombe. Nice, 3 et c'est encore un nice. La foule. Il est bon au public Tourangeau de se lever. Et ce que fait le public Tourangeau, parce que l'Orneuf est en train d'assister à quelque chose de tout simplement là, ils savent pas. Exceptionnel. Les Toulousains, ils savent pas. Ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met 3 mètres derrière? On fait rentrer là, donc il y a Clévenot qui était rentré sur Thibaut Rossard qui ressort. C'est Cédric Hénard qui essaie de couper la série hein, avec un changement. Je ne sais pas s'il lui reste encore un temps mort. Mais là, honnêtement, pour les Toulousains, il n'y a rien à faire. 21-19 pour le TVB cette fois-ci. Et la roulette, David Konechny, il a tenté cette fois la finesse. C'est bien tenu par les Toulousains. On peut attaquer par Patak, mais c'est mal attaqué. Attention, on gêne un petit peu en réception du côté de Tours. Konechny encore. Oui, c'est touché par le bloc toulousain. Et ça fait 22-19 pour le TVB. Cet homme est grandiose. C'est un génie du volet. Oh là là, David Konechny, il a complètement inversé le scénario. Tout seul. C'est un boucher là. C'est dommage qu'on puisse. J'ai pas les chiffres, mais je pense que les 10 derniers points du TVB, c'est lui. C'est connecté. C'est lui. C'est David. Bien sûr. Entre les balles que Nuno lui a filées, puis la 3 ace, cette attaque là encore, c'est énorme. Oh, et un autre ace, il va finir le set. C'est incroyable. 23-19 pour le TVB à 2 points. Les frissons, c'est génial. Oh là là. Oh, quel joueur. Nouveau service de Burel pour les Toulousains. Et on applaudit du côté du TVB pour encourager les services au bout. Allez, Nuno Pinheiro pour la passe et pour David Konechny au 3 mètres. Ah oui. Eh oui, balle de match pour le TVB. Grâce à cet homme, une nouvelle fois. Une roulette. David Konechny par-dessus le bloc. On s'attend à ce qu'il mette un pétard comme il fait à chaque fois. Et non, il arrête sa main. Il a coiffe. Et donc, les défenseurs qui sont arrêtés, qui sont ancrés dans le sol. Et Manu au service pour la balle de match. Allez Toulousain, il faut être solide au bloc. Maintenant du côté Rossard, du TVB. C'est sauvé. Il y a une tentative de sauvetage en tout cas de Jean-François Exiga qui s'est jeté ventre au sol. Regardez David. Cette balle. Ce qu'il fait David, il montre à ses coéquipiers, il est regardé, il dit une balle, un point, une récep. Là je pense qu'il fait les gros yeux à Nuno. Il lui dit la balle elle vient pour moi. Les publics te rejoignent debout parce que nouvelle balle de match pour le TVB. Allez, bah attention, c'est David Konechny à 3 mètres. C'est fini. La 7ème Coupe de France pour le tour volleyball. Et comment ça vole, c'est David Konechny qui est venu inscrire le dernier point. Qu'est-ce que c'est facile le volley quand on a un joueur comme lui, c'est incroyable. À lui tout seul, il a gagné cette 4ème manche. Incroyable, honnêtement. Et là, c'est la folie avec les joueurs du TVB.
Ah ouais, ouais, là, et là le salut romain, tout le monde lève le pouce en l'air, hein, parce que là, ce joueur-là, il est exceptionnel. Et d'ailleurs, ses coéquipiers ne s'y trompent pas parce qu'ils sont tout de suite venus le féliciter. Il est au centre de la mêlée. Tous les joueurs tourangeau se prennent dans les bras. Il y a de la joie sur le terrain, il y a de la joie en tribune où les 500 supporters du DVB ont sorti les cotillons sur les drapeaux. On chante très fort les joueurs du DVB là qui. Il lâche pas David. Il va étouffer. Ah là, David. C'est impressionnant. Honnêtement, c'est impressionnant. Tous ses coéquipiers sur lui.